Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le cahier du pianiste et bienvenue pour cette deuxième orpheline tirée du recueil du même nom. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, Les Orphelines c'est un petit recueil de pièces, de 12 pièces que j'ai composées et qui étaient un petit peu chacune dans son coin, d'où Les Orphelines. Et donc j'ai voulu les rassembler et donc me publier tout seul. C'était surtout ça aussi pour moi un point important, c'était l'autopublication. Donc si vous êtes intéressé par le recueil, que ce soit en version PDF ou en version papier et que vous voulez une petite dédicace dedans, n'hésitez surtout pas à me la demander, direction la boutique, donc je vous mets hop ici, il y aura probablement le lien au-dessus, je vous mettrai la petite fiche, et ici je vous mets donc à quoi ressemble la couverture. Nous avons déjà travaillé 3 orphelines jusqu'à présent, donc j'avais pas suivi l'ordre chronologique, notamment parce que Emma est sortie, c'est la dernière qui est sortie avant Jade, donc qui est l'orpheline numéro 2, tout simplement parce que je ne pouvais pas travailler le ternaire avant et que je voulais commencer par les orphelines les plus faciles. Il y en a vraiment des très très dures, là par exemple il y en a une où il y a beaucoup de double croches, et bien pour l'instant je peux pas la faire parce que les double croches sont pas encore sorties au niveau de la méthode, puisque les double croches c'est à partir du chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons travailler Jade. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas vu le module sur les croches, chapitre 3, module 2, donc je vous mets la petite indication ici, bah, évidemment, là, vous allez avoir beaucoup de mal. Je dis pas que c'est pas possible, mais vous allez avoir beaucoup de mal. Ensuite, il faut que vous alliez voir dans le chapitre 2 les armures en bémol. On a vu les armures avec un bémol. Là, on va avoir 3 bémols. Donc, la difficulté est là pour moi. Hein. Il y a plein de petites saletés, mais c'est surtout, selon moi, les 3 bémols qui vont vous poser souci. Il y a beaucoup de bécards, donc des fois il y a le lac et bémol, des fois il y a le lac et bécard, ça c'est pas forcément évident. Beaucoup de surlignes, hein, on remarque à la fin de la première page. Bon, c'est pas monstrueux non plus, mais quand on a... etc, etc. Donc c'est pas forcément évident ces surlignes, même si après c'est très souvent les mêmes. Nous sommes en 3-4, comme je vous l'ai dit, nous avons 3 bémols à l'armure, et on est à 120, donc c'est un tempo qui va un petit peu vite. Donc, mis à part, si vous connaissez les armures en bémol et que vous connaissez les croches, bon, et bien sûr, tout ce qui est en dessous, hein, les noirs, les noirs pointés, etc, ça, bien sûr, je ne le mentionne même pas, mais ce qui est très très important, c'est les armures en bémol et les croches. Alors qu'est-ce que va nous faire travailler aussi cette pièce? Eh bien surtout les doigts faibles de la main droite. Vous avez vu? Ici ça joue. Hein. Et j'ai fait exprès bien sûr que le quatrième soit en bas et le cinquième en haut. C'est beaucoup plus difficile. Voilà. Pensez bien que tout cela ça a été réfléchi pour vous poser souci puisque ça a été quand même composé un petit peu dans un esprit pédagogique tout en essayant d'être joli. Alors ici le travail va être beaucoup sur les notes. Ça se déplace beaucoup. Il y a plein de notes. Hein, contrairement à Emma qu'on a vu la dernière fois où c'était toujours les mêmes. Là ça va. Là ici alors il y a beaucoup de répétitions mais il y a plein de détails. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà travailler par groupe, par système. On va travailler les deux premiers systèmes. Là où je me suis arrêté, quand on avait à la mesure 9. Mais là, déjà, ça faisait une première partie. Donc, on va travailler les 9 premières mesures. Et ensuite, les 9 suivantes. On va essayer de faire des petites parties pour s'y retrouver. Mais en tout cas, on va faire page 1, puis page 2. Sachant que, voilà, là où il y a une grosse transition, c'est à la mesure 36. Voilà, c'est là où vous sentez qu'il y a une grande descente avec à la main gauche, on tient le si. Alors, on va commencer avec les notes, bien entendu. Alors, do, sol, la, sol, do, sol, si, bécard, sol, la, sol, si, sol, ré, sol, la, sol, ré, sol, do, sol, la, sol, do, sol. Vous avez vu, à chaque fois, il y a le sol, la, sol, 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 la, sol. Donc, ça fait do, sol, la, sol, do, sol, si, sol, la, sol, si, sol, ré, sol, la, sol, ré, sol, do, sol, la, sol, do, sol, mi, j'en perds mon souffle. Et donc du coup, retenez bien ce petit schéma qui revient tout le temps, donc en gros je ne pense que à ça. Donc do, sol, la, sol, do, sol, si, sol, la, sol, si, sol, ré, sol, la, sol, ré, sol, do, sol, la, sol, do, sol, mi, sol, la, sol, etc, etc. Donc il y a des petits changements d'ailleurs, à partir de la mesure 6, c'est là où je me suis arrêté. Allez, je reprends du début.
Do, sol, la, sol, do, sol, si, sol, la, sol, si, sol, ré. Alors avec le 2 et avec le pouce, c'est vous qui décidez. Ré, sol, do, sol, la, sol, do, sol, mi, sol, la, sol, mi, sol, ré, fa, la, fa, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Mi, sol, la, sol, mi, sol, ré, sol, do, sol, si, sol, mi. La fin de la première phrase. Deuxième partie, puisqu'on reprend beaucoup d'éléments, hein, c'est la même chose mais avec quelques petites notes qui changent. Mi, sol, la, sol, mi, sol, ré, sol, la, sol, ré, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, sol, la, sol, mi, sol. Et on retrouve cette cadence. Ré, sol, do, sol, si, sol, do. Et là, attention, on aura un petit changement. Vous voyez, là, ce sera le 3-4. Sol, la, sol, la, sol, si. Elle est très dure, cette mesure 15. Hein. C'est notre transition. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Parce que si on faisait... Alors, on pourrait mettre le pouce sur le dernier sol. Donc de faire 1 et 2 et 3 et 1. Mais je trouve ça dangereux. À 100 la noire, 1 et 2 et 3 et 1. Donc évidemment, j'y arrive. Mais c'est pas franchement un doigté que je vous aurais proposé. Là, évidemment, pour moi, c'est le mieux. C'est qu'on fait donc on était ici... Ré, je reprends, pardon, mesure 16. Ré, sol, do, sol, si, sol, do. Et hop, j'ai plus qu'à mettre le 3. Est-ce qu'on pourrait mettre autre chose? Non, je ne pense pas, puisque de toute façon, il faut qu'on ramène le pouce sur le sol. C'est obligatoire, puisqu'après, le sol va devenir un point fixe à partir de la mesure 16. Donc, je reprends mesure 15. Do, sol, la, sol, la, sol, si, sol, la, sol, si, sol, do, sol, la, sol, do, sol, ré, sol, la, sol, ré, sol, mi, sol, la, sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, sol, la, sol, mi, sol, mi, sol, fa, dièse, sol, mi, sol, fa, sol, ré, sol, do, sol, fa, sol, do, sol, si, sol, fa, si, do, ré, mi. Et après, je vais m'arrêter là, puisqu'après... On retrouve la même chose. Si bémol. Et là, on retrouve le la bémol. Vous avez vu, ça revient à la même chose. Il y a vraiment... là, on retrouve exactement les mêmes éléments. Ça tourne soit sur sol, fa, sol. Sol, fa, sol. De la mesure 22 à la mesure 30, mesure 29 d'ailleurs, excusez-moi, donc de la mesure 22 à la mesure 29, j'ai toujours le sol fa dièse sol, et après, sol la bémol, on retrouve ce sol la bémol que nous avions à partir de la mesure 16. Donc on retrouve les éléments précédents. Donc bien sûr, travailler par portion de 8-9 mesures à chaque fois, c'est un courant continu, hein, donc on pourrait jouer de la mesure 1 à la mesure 35, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, hein, je vais vous jouer de la mesure 1 à 35, mais vous bien sûr, faites-vous des coupures, retenez bien ce petit passage. Mesure 9, c'est une petite cadence qu'on retrouve au système d'en dessous, et ensuite à partir de la mesure 16, on change d'environnement, donc on peut faire les 3 premiers systèmes, et ensuite les 4 systèmes qui suivent. Tiens d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais vous jouer donc de la mesure 1 à la mesure 16, jusqu'à l'arrivée de la mesure 16, et ensuite de la mesure 16 à la mesure 35, ça nous fera au moins une coupure. Allez, c'est parti. 1, 2, 3... En plus, c'est parfait, hein, on a la transition à travailler. 3. Et là, on est bon. Donc, travaillez bien cette transition. Et une fois que vous avez bien cette transition, je reprends donc de la mesure 15 et je joue jusqu'à la fin de la mesure 35, l'arrivée de la mesure 36. 1, 1, 2, 3... Thank you.
Je vais maintenant vous jouer de la mesure 1 à 35 sans m'arrêter avec cette transition de la mesure 15 à 120 à la noire. Donc on fait le tempo final, toute la main droite. 1, 2, 3. Vous avez peut-être vu, j'ai eu une micro-hésitation à la mesure 26, parce qu'en même temps que je jouais, j'étais en train de me poser la question sur les doigtés que je pouvais vous conseiller, et je reprends à partir de la mesure 25. Et en fait, pour moi, ça me pose aucun problème de faire... Vous avez vu, je garde la note du dessus. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que ça vous fait pas un petit peu dur? Donc n'hésitez pas à mesure 26 à faire 5, 5... 5, 4, voilà, c'est si vous... Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais effectivement, mesure 26, j'ai commencé à réfléchir en plein milieu en me disant, mais ça... Ça, ça risque de leur poser problème, donc n'hésitez pas, 4, 5, 5, c'est tout à fait autorisé. On va regarder la main gauche maintenant, pareil, de la mesure 1 à 35, et en gros, la mesure difficile selon moi, bah, c'est la mesure 15, puisqu'on va avoir ceci, on va avoir le Mi... Hop. N'essayez pas de lire, bien sûr. Alors, on va regarder les notes à partir de la mesure 5, donc Do, 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 Si, Ré, Do, Do, Si, La, Sol, Do, Do, Si, Si, Ré, Ré, Do, Do, pouce intérieur, Si, La, Sol, Mi, je soulève, Mi, Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, Do, Do, Do. Vous avez vu, j'ai fait Do, Do, Do. Ça, c'est beau, déjà de d'une, parce qu'on joue la même note, mais pas avec le même doigté. C'est une excellente habitude à prendre, retenez-la. Do, Si, en tout cas, quand on doit faire des changements de position. Hein, j'entends, pardon, on n'est pas obligé à chaque fois de toujours changer de doigt pour la même note. Après, ça dépend du contexte et de la vitesse. Mais là, ici, puisque je veux passer de cette position-là à cette position-ci, eh bien, c'est très intéressant, mesure 21. Do, 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 Si, Si, La, La, Sol, Sol, La, Si, Do, Do, Si, Si, La, La, Sol, Ré, Fa, Fa, Mi, Mi, Ré, Ré, Do, Do, Si, Si, Do, Do, Si. Donc, la main gauche n'est vraiment pas difficile, comme je vous dis. Donc, il y aura deux petits endroits à travailler. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, bien sûr, le module sur la noire pointée croche, qui est donc le premier module du chapitre 4, eh bien, la mesure 15 et la mesure 25 risquent de vous poser problème, puisque là, ce rythme est vraiment présent, hein, on a deux noires pointées, et donc c'est très intéressant d'avoir un cours là-dessus. Donc bien sûr, vous pouvez réussir à jouer la noire pointée croche par rapport aux notes du dessus, puisque les croches vous donnent toutes les notes, mais c'est vraiment pas extraordinaire comme technique, puisque ça veut dire que vous avez le défaut du « je réussis une main par rapport à l'autre ». J'en ai souvent parlé, comme quoi c'était un très gros défaut. Bon, je vous joue tout de suite cette main gauche, donc de la mesure 5 à 35 à 120 à la noire directement. 1, 2, 3... Thank you.
Et maintenant, je vais vous jouer les mains ensemble à 60 à la noire pour que vous puissiez bien voir les détails. 1, 2, 3... Donc évidemment pour moi, comme je vous l'ai dit, les deux transitions difficiles, c'est à la mesure 14 quand on a ici. Ça, c'est vraiment pas simple. Et ensuite, un petit peu moins dur évidemment, mesure 25 quand on a ceci. Voilà, ça c'est un petit peu moins difficile je pense, mais quand même, voilà, il faut l'anticiper, il faut savoir soulever. Liez bien les notes quand elles sont différentes et vous pouvez soulever une croche avant quand les notes sont identiques. Donc ça fait hop, vous avez vu, je lis bien les notes. Donc par exemple ici, c'est au moment où je joue le fa dièse à la main droite que je soulève. Là c'est au moment où, juste avant que je joue le sol, pour avoir le maximum de la note, etc, etc. Bon, je vous l'accélère pas à 120 puisque vous l'avez déjà au tempo final. On va regarder la fin. Alors la fin en fait est très simple, si je puis dire, c'est à dire que on a donc cette petite transition qui est ici. Donc normalement on termine sur, je reprends juste une mesure avant, c'est toujours très bon de reprendre une mesure avant, donc on est ici sur 5 5, quatrième par-dessus. C'est le meilleur doigté, hein. Quatrième, deuxième par-dessus. Et donc là, la main gauche reprend l'introduction de la main droite. Donc, ça ne devrait pas vous poser trop de problème. Il y a juste une petite nuance à partir de la mesure 42. Do, fa, la, fa, do, fa, si bémol, sol, la, sol, si, sol, ré, sol, la, sol, ré, sol, do. Mais en tout cas le schéma reste absolument le même. Donc tout est pour la main droite, je reprends à partir de la mesure 36. Ré, do, si, la, sol, quatrième par-dessus. Fa, mi, ré, do, si, do, ré, mi. Pousse à l'intérieur, et on peut même lâcher la note. Sol, mi, ré, do, si. Sol, deuxième par-dessus. Mi, fa, sol, la. Restez à l'intérieur des touches, ne me faites surtout pas ça. Ça c'est vraiment... Voilà, ça c'est horrible. Ça, c'est pas joli du tout. Je reprends du mi à la mesure 36, 37, 38, 39. Sol. Et là, à partir de ce mi, je rentre dans les touches noires. Mi, fa, sol, la. Et je n'en suis pas sorti. Mi, fa, sol, la. Vous avez vu, je suis pratiquement à une demi-touche noire sous les doigts. Ré, mi, fa, sol. Alors, soit ré, si, do. Soit sol. Et là, ré, si, do. Peu importe le doigté que vous choisissez. Donc, je vais vous jouer d'ailleurs cette fin, de la mesure 36 à la fin, à 60 à la noire. 1, 2, 3...
Ensuite, bien sûr, vous accélérez tout doucement, 80, 100, 120. Je pense que pour ne pas rendre la vidéo plus longue qu'elle ne l'est déjà, je crois que vous avez vu vraiment les principales difficultés. Surtout que c'est pas un morceau qui, à mon avis, va vous poser trop de difficultés. Alors, bien sûr, la vitesse 120, c'est peut-être un peu rapide. Comme je l'ai dit pour Emma, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le morceau sonne peut-être mieux, plus rapide. Ça me paraît très difficile, mais ça peut. Et ou plus lentement, est-ce qu'à 100, vous trouvez qu'il est déjà très joli, ou à 60, et vous êtes vraiment pour un tempo radicalement lent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous arrivez à m'enregistrer la pièce, eh bien, postez-le-moi sur le forum. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire un petit quelque chose, proposer un petit code de réduction pour celles et ceux qui me postent en public une vidéo sur YouTube sur les orphelines. Je pense que je vais peut-être faire un petit quelque chose là-dessus. Bref, juste pour vous dire que n'hésitez pas à me poster un petit enregistrement, ça me fera très plaisir, je vous ferai un retour. Donc sachez qu'il faut vraiment que ce soit très très propre à 60 à la norme. Vous voyez qu'on est mains ensemble à mi-tempo, et ensuite vous augmentez petit à petit. N'hésitez pas à commencer par la fin aussi, ça donne de très très bons résultats. Donc si la version PDF vous intéresse, sachez qu'il y a plein de manières d'avoir les orphelines. Donc soit vous achetez le PDF entier ou le livre entier, vous avez le droit à une petite dédicace, n'hésitez pas à me le demander. Donc je vous ferai une petite dédicace dans l'ouvrage, ça me fera infiniment plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez acheter, d'ailleurs c'est pour ça qu'à partir du moment où le tuto sort, vous pouvez l'acheter en version individuelle, donc juste la petite pièce si elle vous intéresse. N'hésitez pas à poster un petit commentaire. Si vous voulez poster un enregistrement, il y a le forum. Si la méthode vous intéresse, parce que ben, vous voyez que là, de plus en plus, la méthode avance, elle devient maintenant conséquente, eh bien, à chaque fois, j'y fais référence. N'oubliez pas, la boutique est là pour ça. Et si vous avez des questions avant l'achat, pour être sûr que vous allez être satisfait, eh bien, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous souhaite bon courage pour la pièce et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.